En France, des maires du Grand Est en appellent au gouvernement. Il faut absolument reconfiner après Noël, disent-ils. Ils estiment que dans la région, la troisième vague est déjà là et qu'il n'y a pas de temps à perdre. À Nancy, par exemple, le virus circule aussi rapidement qu'à la mi-octobre, affirme le maire Mathieu Klein. Tout le monde en a marre, moi le premier, mais le sujet n'est pas de savoir aujourd'hui si nous en avons assez ou pas. Le sujet est de savoir à quel moment nous voulons vraiment mettre un terme à cette crise. Et nous savons, malheureusement, que quand le virus circule aussi vite, il n'y a guère d'autre solution que celle de renforcer les restrictions. L'hôpital de Nancy, en fin de semaine dernière, a dû réactiver le plan blanc. Nous sommes déjà aujourd'hui à plus de la moitié des interventions non urgentes, que ce soit en médecine ou en chirurgie, qui ont été déprogrammées au CHRU de Nancy. J'entends bien que la situation n'est pas la même sur tout le territoire. Moi, je vous parle de ma ville, de la métropole que je préside, de ma région, et je sais que les indicateurs sont au rouge. Il faut sans doute que le gouvernement se décide à des mesures de confinement, mais qu'il le fasse vite, à partir de lundi prochain, à partir du 28 décembre. Des propos recueillis par Damien Mestre, invité du 20h de TF1 hier soir. Olivier Véran a maintenu qu'un reconfinement n'était pas encore envisagé par le gouvernement.